bon. Il fait frisqué par ici. C'est l'heure des boules de neige. Arpenter les étendues sauvages comme ça me rappelle avec émotion mes vieilles aventures. Je regrette moins toutes les fois où nous sommes passés à deux doigts de la mort. Thank you.
Ah, ma fidèle boîte magique. De quoi prendre de la hauteur quand je suis coincé. Chèvre. J'aurais vraiment dû envoyer cette carte postale à Margaret et aux enfants plus tôt. Et pourquoi diable cette boîte aux lettres la plus proche est-elle aussi loin de toute civilisation ? L'avalanche de la nuit dernière a détruit le pont. Comment vais-je faire pour atteindre la boîte aux lettres ? Quelle chèvre hors du commun ! Merci ! L'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle allait me foncer dedans.
Qu'est-ce que c'est? Une lettre pour moi? Cher Amadeus le magicien, nous avons besoin de votre aide pour une mission de la plus haute importance. Vous devez retrouver le prince Celius, un étudiant de l'Académie Astrale. Il a disparu dans des circonstances aussi mystérieuses que troublantes. Moi ? Trop imprévisible pour apprendre à lancer des sorts ? Je compte bien apprendre la magie. Le deuxième de nos héros enchantés était Pontius le Chevalier. Juste avant le début de notre quête, Pontius vaquait à ses propres affaires. Et ses affaires le menaient actuellement au manoir maudit. Cette demeure en ruine appartenait à un chevalier décédé peu auparavant. Après son enterrement, le chevalier s'était relevé d'entre les morts, amer et assoiffé de vengeance, et troublait la paix du voisinage. Mais Pontius avait été appelé à la rescousse et était arrivé armé de son épée et de son bouclier et animé par l'espoir qu'une tarte viendrait récompenser ses efforts. Quel dommage pour cette maison. Elle devait être tellement pimpante avant tout ça. Avec des champs bien entretenus où poussent tous les ingrédients pour une bonne tarte. C'est un vieux manoir hanté, mais j'ai eu l'intelligence d'arriver à midi. Les chevaliers morts-vivants maudits sont moins effrayants à la lumière du jour. Non, non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Réessayons.
Je ne comprendrai jamais comment un brave chevalier peut devenir une créature si méprisable. Tu ne comprends pas grand-chose, confrère chevalier. J'étais comme toi autrefois. Quel étrange mort-vivant. Après avoir été blessé au combat, je n'étais plus bon à rien. J'ai été renvoyé de l'armée et je suis devenu la honte des autres chevaliers. Mes amis, puis mes serviteurs m'ont tous abandonné. On m'a laissé pourrir seul dans ce trou perdu. Ce n'est pas une excuse pour tes actions maléfiques. Non, non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Réessayons. Non, non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Réessayons.
Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je suis là, espèce de goule flétrie. Alors viens, affronte-moi, chevalier. Trouvons plus de lumière, alors. Une lettre pour Messire Pontius ? Ça alors, c'est moi.
Messire Pontius le Chevalier, héros de Trahim. Nous faisons face à la disparition d'un prince, mais avons bon espoir que vos talents extraordinaires vous permettront de le retrouver dans les plus brefs délais. Invoque ton ombre au cours d'un rêve. Récite ce sort pour qu'elle se... Le prince Celius possède une certaine affinité avec la magie, mais a été récemment impliqué dans un accident en utilisant ses pouvoirs. Il doit être traité avec douceur, mais fermeté. Notre dernier héros était Zoya. Comme Amadeus et Pontius, elle avait été enchantée grâce au pouvoir mystique de Trahim. Le destin et le hasard avaient guidé ses pas jusqu'à une ville en proie aux festivités. Mais Zoya n'était pas venue ici pour passer du bon temps. Alors que notre quête était sur le point de commencer, Zoya avait passé la nuit debout, se livrant à des activités correspondant à sa nature cachotière. Des activités peut-être inappropriées pour un héros. Alors que toute la cité festoyait, Zoya se faufilait dans les ombres, animée de mauvais desseins. Une femme d'affaires, honnête, serait peut-être sortie par la porte. Il y avait tellement de tableaux là-bas qu'il leur faudra des semaines avant de se rendre compte qu'il en manque un. Attends, mais qu'est-ce qui me prend à parler toute seule ? Vite ! Nous sommes déjà en retard pour le bal masqué. Mais ce n'est pas censé durer toute la nuit ? Contrairement aux autres fêtards, le festival des masques n'intéressait pas Zoya. Elle avait un rendez-vous d'un autre genre.
Bon, plus qu'à trouver la sonnette. Toujours un plaisir. En échange du tableau volé, Zoya a reçu une bourse pleine d'or. Mais contre toute attente, la voleuse se rendit compte qu'elle était rongée par les remords. C'était un simple tableau. Ce bal masqué saura peut-être me remonter le moral.
route pour le bal masqué, Zoya se retrouva sur une place qui remémora de nombreux souvenirs. L'orphelinat de la ville. Au moins, il n'y a personne pour assister à cette déchéance. Chère Zoya, prestigieuse héroïne, sauveuse du royaume. Nous avons besoin de vous pour faire revenir le prince Célius à l'Académie Astra. Tant qu'il sera laissé à lui-même, le prince sera en danger. Ces ombres. Ah, c'était juste un cauchemar. Nous attendons des nouvelles de votre succès. Wilhelmina, magicienne de l'Académie Astrale et représentante du Grand Conseil. Les différentes lettres envoyées par la Grande Magicienne guidèrent nos trois héros jusqu'à une lande rocailleuse et battue par les vents. C'est là que devait débuter leur recherche de Célius, le prince mystérieusement disparu.